Bienvenue, chers amis, frères et sœurs en Jésus-Christ, et bienvenue à ceux qui nous regardent pour la première fois. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Salam alaikum, Azul Flaoun. Nous avons cette joie de partager la parole de Dieu, de partager notre foi, que c'est un trésor que nous avons un jour trouvé, finalement, qui nous a été donné et que nous aimerions, par le biais, par le moyen de ces émissions, partager avec vous. Alors, je ne le ferai pas tout seul. Il y a devant moi Meki et Hassan, bienvenue. Bonjour Kader, bonjour Danila. Bonjour. Et à mes côtés, à mon côté gauche, oui. Donc là, bonjour. Le bras droit, finalement, c'est Danila. Merci d'être avec nous. Merci à toi. Et comme nous avons cette, je dirais, cette habitude, une bonne habitude de commencer ce programme par la prière que nous adressons à Dieu. Alors, si vous voulez bien, inclinons nos têtes et demandons à Dieu de nous bénir. Seigneur, notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te disons merci pour tout ce que tu nous donnes. Tu nous donnes, Seigneur, à te connaître, à nous adresser à toi dans les paroles simples que tu mets dans nos cœurs, dans notre bouche. Merci de bénir ce moment, de nous faire du bien pendant ce moment, de nous accorder, Seigneur, la grâce de bien comprendre ce que tu veux nous dire aujourd'hui. Et nous te le demandons, et nous te prions, Seigneur, ensemble, pour ceux qui regardent, aussi de les bénir, de leur faire du bien. Seigneur, d'ouvrir les yeux de leur cœur, comme tu le dis, afin que nous comprenions tous ensemble qui tu es, afin de rentrer dans la paix que tu nous donnes. Merci de le faire au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, aujourd'hui, nous allons parler pendant cette émission de la prière. Nous avons appris dans l'éducation que nous avons reçue, vu notre arrière-plan, qu'il y a la prière est très importante. C'est un moyen d'adorer Dieu. Seulement, étant chrétien, on se pose la question, est-ce que comment et est-ce que les chrétiens prient? Donc, je pose la question avant de commencer une lecture biblique. Est-ce que les chrétiens prient? Je répondrai que oui, parce que prier, c'est parler, et le chrétien parle à Dieu. Donc, prie Dieu. Prie Dieu. Donc, c'est ce que je viens de faire, finalement. Ouais. Bien, merci. Alors, Danila, est-ce que tu voudrais nous lire un passage de la prière que Jésus-Christ nous a laissée? Oui, un passage connu parmi les chrétiens, c'est le passage de Matthieu 6, chapitre 6, versets 9 à 13. La parole de Dieu nous dit, alors nous reprenons 9 à 13, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Alors, je me tourne vers Meki. Oui. Oui. La prière. La prière. Oui. Alors c'est quelque chose que j'ai appris quand je suis venu à la foi chrétienne, au Christ. Et quand, pour la première fois, j'entendais quelqu'un prier, je me disais, mais comment faut-il prier? Alors je voyais que l'autre qui avait l'habitude, qu'est-ce qu'il prie bien? Alors j'ai voulu, moi, apprendre à prier. J'ai pris une feuille et j'ai vu comment les autres priaient. Tout simplement parce que je ne savais pas prier. Je savais que dans la religion, il y avait des prières qui étaient récitées, formulées,
des prières déjà apprises par cœur. Mais là, je voulais apprendre à prier également. Mais j'ai compris que c'est la prière, ça vient du cœur. Et c'est la prière que l'on s'adresse à Dieu de la façon la plus simple possible, mais avec le cœur. C'est ce que Dieu veut, que l'on prie avec le cœur. Et ce n'est pas des prières toutes récitées que Dieu veut forcément, mais il veut que ça soit véritablement volontaire et du cœur. Père, Seigneur, Dieu, je te prie. C'est avec le cœur. Et cela, ça fait déjà quand même un certain nombre d'années que c'est quelque chose de courant maintenant. Un dialogue. La prière n'est pas seulement un monologue. Elle est aussi un dialogue. La prière, bon, nous avons vu ici, hein, nous l'avons lu en français, mais peut-être quelques éclaircissements concernant cette traduction, parce que c'est une traduction. Hassan. Sur cette prière Non, pas simplement sur cette prière. Bon, ce que nous avons maintenant, dans la Bible que nous avons, nous l'avons en français. Mm-hmm. Et il y a des Bibles en arabe, il y a des Bibles en kabyle, il y a des Bibles en anglais, etc. Mm-hmm. Mais comment se fait-il qu'il y en a tant de Bibles? Juste un petit éclaircissement. Pourquoi y a-t-il tant de traductions? Ah, voilà. Donc, des traductions. Alors, si je ne m'abuse, la Bible ou quelques parties de la Bible sont traduites à peu près en... Le chiffre doit être 2200 langues ou dialectes. 2200 langues. Langues ou dialectes. Donc, le message de la Bible donc, est traduit dans ces 2200 langues et dialectes. Mais à partir d'un... D'un texte original, oui. D'un texte original. Donc, c'est déjà quelque chose. Hein, qu'on peut s'adresser à Dieu dans sa propre langue. Absolument, absolument. Ouais. C'est... Bon, d'abord, c'est un effort considérable, d'une part, mais surtout, l'idée étant que la parole de Dieu est accessible dans la langue et dans la culture de tout un chacun. Ben, ça, c'est formidable. Hein? Donc, est-ce que, avant de faire la prière, avant de nous approfondir de cette prière, est-ce qu'il y a des choses que nous devions faire avant? Hein? Nous avons appris que nous devons nous laver, etc. Est-ce que... C'est le cœur qui doit être lavé. Jésus a dit « Je ne suis pas venu pour nettoyer l'extérieur, mais l'intérieur de la coupe, en l'occurrence. » Donc, c'est le cœur de la personne. C'est le cœur. C'est le cœur de la personne. Et la prière est avant toute autre chose une attitude de cœur. Ce n'est pas un fait religieux, ce n'est pas du domaine du religieux, c'est du domaine de la sincérité. Ouais. Mmh. Et nous avons comment dire, on dit chez nous... en kabyle, Moumina et son arberbe, c'est Moumina, c'est-à-dire que le croyant connaît Dieu et Dieu connaît le croyant. C'était des personnes qui voulaient faire la prière et qui n'arrivaient pas à les dire parce qu'elles ne connaissaient pas la langue arabe. Oui. Alors, revenons à ce texte. Qu'est-ce que vous pouvez nous enseigner d'une façon générale, sans rentrer au premier abord des détails, d'une façon générale, de cette prière que le Seigneur nous a laissée. Déjà, notre Père, c'est le Père qui est commun à tous. Et si nous avons tous un Père commun, c'est que nous faisons tous partie de la même famille. Et qui est ce la famille Père? Qui est le Père céleste, le Père de Jésus, qui est devenu aussi notre Père. Dieu. Dieu le Père, oui. Bien. On va essayer maintenant de voir de près cette prière. Oui. Hein? Elle commence par Notre Père. Notre Père qui est aux cieux. Qui est aux cieux. C'est Jésus, dans sa recommandation, il dit, voici comment vous devez prier. Il nous oriente vers qui? Vers le Créateur, celui qui nous a bien sûr créés, et il nous oriente vers lui. Et Jésus est ce... messager en même temps, de dire je vous indique le chemin et comment vous devez prier. Regardez au Père, au Créateur. Donc on ne va pas prier des personnes qui ont fait des choses merveilleuses. Ou des saints. Ou des saints, oui, c'est ce qu'on appelle des saints. Oui. Oui. Ou des gens importants qui ont été importants pour des gens sur le plan religieux. Non. Jésus lui-même nous oriente vers le Créateur, vers Dieu le vers Père, Dieu. Notre Dieu. Donc, il n'y a pas d'autre intermédiaire pour à qui nous devons adresser la parole.
Il est dit, bien sûr, dans le texte, que le seul intermédiaire, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Jésus lui-même dit, lorsque vous priez, vous demandez au Père, en mon nom. Non, au nom de Jésus-Christ. Bien, le Père céleste. C'est-à-dire que... Déjà, dans le mot Père, oui. Il y a cette idée de filiation. Oui. Paternité. Oui. Alors, non seulement il est Dieu créateur lointain, parce qu'on peut s'imaginer un Dieu lointain pour beaucoup, mais celui qui nous a rapprochés du Père, c'est bien Jésus-Christ. Et il nous le fait connaître dans sa personne. Mais il y a une filiation. À ceux qui ont reçu qui ? La parole, c'est-à-dire Jésus lui-même, Verbe incarné, eh bien, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, nous devenons, à partir du jour où on a demandé à Jésus-Christ d'habiter notre cœur et d'accepter comme sauveur et seigneur de notre vie, et qui est aussi le représentant du Père, eh bien, le Père se rapproche, ou disons, nous nous rapprochons du Père grâce à Jésus. Voilà un peu cette filiation et ce langage du cœur, ou ce cœur à cœur avec le Créateur. Nous pouvons prier Dieu notre Père, et nous pouvons le dire en toute simplicité, comme un enfant, Père. Abba, Père. Abba. Abba. Abba, Père. Abba. Vavar, bien. Abba. Ouais. Hassan, je te laisse la porte ouverte pour nous donner quelques explications concernant cette prière. C'est une prière qui exprime et qui reconnaît la souveraineté de Dieu, la grandeur de Dieu. Voilà le décor, si je puis dire, et qui exprime et qui fait part à Dieu de nos besoins. Et n'est-ce pas extraordinaire que ce Père qui est dans les cieux se préoccupe de nos besoins les plus fondamentaux ? Donne-nous aujourd'hui notre pain. Ainsi, Dieu prend en considération, prend en compte, prend en charge et nos besoins physiques, celui de manger, de s'alimenter, parce qu'il est un père, et nos besoins d'ordre spirituel. Il y a à la fois le besoin matériel qui est exprimé, mais aussi le besoin, je dirais, spirituel, qui consiste à développer, à entretenir cette relation avec Dieu le Père, mais aussi les uns avec les autres. Parce qu'en réalité, la relation avec Dieu, la prière à Dieu, renvoie, comme Jésus nous l'a enseigné, au prochain. Au prochain. Ce qui a été cité ici, il y a des choses citées vers le ciel, donc adressées à Dieu, concernant la relation avec Dieu et la relation avec notre prochain. Oui. Quelles sont les choses que nous avons donc avec le prochain et quelles sont les choses, disons, qui nous unissent avec le prochain et les choses qui nous unissent avec Dieu? En fait, Jésus ici nous dit clairement que la relation que nous avons avec Dieu est une relation de dette. De dette, c'est-à-dire, nous sommes endettés. Nous sommes endettés vis-à-vis de Dieu dans la mesure où il a remis nos offenses. Mais la condition pour que Dieu nous pardonne, pour que Dieu efface nos erreurs, nos coups tordus, la condition est de ne pas utiliser le passé de l'autre pour l'accuser. C'est dans la mesure où nous avons fait preuve de miséricorde, de bienveillance, de patience, que Dieu pourra, c'est la condition, nous faire miséricorde et pardonner toutes nos fautes. Pardonne-nous nos offenses, nos fautes, nos péchés, comme nous les pardonnons nous aussi à celles et ceux qui nous ont fait mal. J'ai une petite expérience par rapport à cette réflexion. Il m'est arrivé une fois d'avoir un petit conflit avec ma fiancée à cette époque. On n'était pas d'accord et j'étais fâché au fond de moi-même. Et puis, nous avons prié ensemble. Et nous sommes mis devant Dieu pour le remercier, etc. Mais au moment où je m'adressais à Dieu,
la situation précédente est revenue à mon esprit. Et là, je n'étais plus en accord avec ma fiancée. Ce qui fait que j'ai dû interrompre ce temps de prière en disant, en me retournant vers ma chère et tendre fiancée, « Eh bien, écoute, j'ai quelque chose dans le cœur vis-à-vis de toi. Eh bien, je te demande pardon d'avoir une mauvaise réaction à ton égard. Et c'est pourquoi je te prie de me pardonner. » Elle m'a pardonné et puis on s'est remis à prier et j'étais dans ma conscience apaisée et tranquille. D'accord. Dans ma relation avec le Seigneur. Oui. Est-ce que... Vas-y. Oui. Est-ce qu'on doit pardonner à l'autre juste pour apaiser notre conscience? En fait, le pardon, il est libérateur pour nous-mêmes. Quand on pardonne à une personne, on se libère soi-même. Et de quoi se libère-t-on? De l'amertume. Parce que l'amertume, nous dit l'auteur de la lettre aux Hébreux, nous prive de la grâce. Et l'amertume, quand il y a un manque de pardon, quand il y a le non-pardon dans notre vie, alors, c'est une porte ouverte pour le diable. D'accord. Est-ce qu'on peut parler, lorsqu'il y a un non-pardon avec mon prochain, est-ce qu'on peut parler de rupture de la relation avec Dieu aussi? Comme vient de l'indiquer Mekki, un non-pardon va obstruer, va parasiter notre relation avec Dieu. En fait... Est-ce que Dieu nous entend lorsque nous prions et lorsque nous n'avons pas pardonné à notre prochain? Dieu sait tout. Dieu, oui, bien sûr que Dieu entend, mais là, il est question de santé spirituelle, n'est-ce pas? Et s'il y a un manque de pardon dans notre vie, alors c'est la maturité, c'est ce processus de maturité spirituelle qui est stoppé. D'accord. Ça ne veut pas dire que Dieu cesse de nous écouter ou cesse de nous aimer, là n'est pas la question. Parce qu'encore une fois, le pardon, il est pour nous-mêmes. D'accord. Après, nous pouvons évoquer ensemble les conditions du pardon. Mais ce que je voulais dire, c'est que est-ce que ce ne serait pas égoïste de pardonner à l'autre uniquement pour se sentir bien? Non. La réponse est claire, c'est non. Bon, d'abord, c'est un commandement. C'est un commandement, c'est une condition, hein. C'est si, le texte nous le rappelle... En disant pardonne-nous nos torts comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont fait du tort. Une fois encore, le pardon, oui, c'est pour ne pas permettre à l'offenseur qui nous a infligé une offense et ne pas permettre à l'adversaire de nous manipuler. Et en ce sens-là, je dirais que c'est une bonne forme d'égoïsme, de narcissisme, n'est-ce pas? Où il faut penser à soi avant tout, et pour continuer la marche avec Dieu. D'accord. Et pour nos éditeurs... Qui cela vous semble-t-il clair ou... Oui. On va aller... Moi, je pense à tous nos auditeurs qui nous écoutent, qui ont pu être offensés et qui ne trouvent pas les moyens en eux-mêmes ou la force de pardonner. Est-ce qu'on peut, dans ce cas-là, demander au Seigneur, dans une prière, de nous aider? Bien entendu. Alors, le seul qui puisse nous aider à savoir pardonner, c'est bien Jésus-Christ, pour la raison suivante. C'est que de par nous-mêmes, nous n'arrivons pas à pardonner celui qui nous a offensés. Jésus nous en a donné l'exemple. Il est mort sur la croix. À la croix même, lui le juste, on l'a cloué et il a su dire « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ça, c'est la puissance, il y a un message derrière, la puissance de l'amour de Dieu. Savoir pardonner, il y a quelque part de l'amour. Et alors, savoir, si on ne pardonne pas, c'est qu'il manque quelque chose au fond du cœur vis-à-vis de son prochain. Et c'est là où il est important d'avoir un cœur transformé pour savoir pardonner dans l'amour. Alors, exemple, un couple, quand il s'aime vraiment, normalement, se pardonne mutuellement.
si l'un des conjoints a fait des torts, normalement, on lui pardonne. Mais il arrive aussi qu'on rappelle, comme cela a été dit par Racine, on rappelle les faits anciens à son conjoint. Et alors là, en cela, on peut dire il n'y a pas de pardon. On revient là-dessus et il manque de l'amour. Donc pardonner, c'est oublier ce qui a été fait. Je voudrais qu'on avance un petit peu dans le sujet de la prière. Est-ce qu'on ne prie uniquement que pour le pardon? Est-ce qu'on peut prier pour les malades, par exemple? Est-ce qu'on peut prier pour les besoins autres que les besoins, je dirais, de la matière? Alors, je voudrais juste revenir et apporter une petite précision. Pardonner, c'est précisément ne pas oublier. Pardonner, c'est prendre la décision de ne plus utiliser l'offense de la personne pour l'accuser. Mais on n'oublie pas une offense. Ça n'existe pas. On ne peut pas être amnésique. Simplement, on refuse d'utiliser cette offense pour la culpabiliser ou pour l'accuser. Donc le rappel des fautes, quand il y a un pardon, il n'y a pas de rappel des fautes. Absolument, parce que Dieu ne nous rappelle pas les nôtres. Bien, merci pour cet éclaircissement. Oui, en effet, on ne peut pas oublier. On ne peut pas oublier. Nous ne sommes pas des ordinateurs qu'on peut formater. Nous sommes des êtres humains. Alors, on avance un petit peu. Donc, ma question précédente, c'était pour quel sujet peut-on prier? Pour quelle chose? Que pourrait être le sujet de notre prière dans la vie en tant que chrétien? La Bible nous donne des conseils. Il est dit de prier en tout temps et en tout lieu. Donc il n'y a pas d'heure fixe pour prier Dieu. Je peux me lever à 3 heures du matin comme je peux rester en pleine journée prier. Il n'y a pas de formule, il n'y a pas de direction à ce niveau-là. Si ce n'est... Il n'y a pas un schéma bien précis, c'est-à-dire qu'on n'est pas limité par le temps. Voilà. On peut prier pour toute chose. Ça peut être pour des biens matériels comme ça peut être pour des besoins physique comme la maladie, par rapport à la maladie, en demandant à Dieu, dans ta grâce, puisses-tu me toucher, me guérir? Nous pouvons aussi le demander. Et bien sûr, bien des gens ont été guéris. On peut aussi demander pour des biens matériels. Seigneur, voilà, j'ai un problème sur le plan matériel. Puisses-tu intervenir? Dieu le fait. Est-ce qu'on peut prier pour que Dieu touche le cœur de quelqu'un qui n'est pas converti? Absolument. Puisque Jésus lui-même a prié pour ses disciples. Il a prié pour les foules qui ont suivi, qui ont écouté son enseignement, bien sûr. Parce que la volonté de Dieu, nous dit la Bible, c'est que tous soient sauvés. À la question, je pourrais dire que nous, autour de cette table, nous sommes le fruit de la prière. Oui. De personnes qui ont cru avant nous, n'est-ce pas? Tout à fait. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire à une personne, quel conseil en tant que pasteur vous pouvez dire à une personne qui vient à vous, qui vous dit « je ne sais pas comment prier » ? Bien, nous lui montrons tout simplement la voie en priant simplement et en lui disant avec nos simples mots « notre Dieu ». Et on peut aussi rajouter que... la prière, comme je le disais dans une émission précédente, c'est comme la lecture et l'interprétation de la parole de Dieu. La prière doit être communautaire. Je dirais, elle est avant tout communautaire et après, elle est personnelle. Car je rappelle, nous ne sommes pas sauvés individuellement. Nous sommes sauvés personnellement, ce qui n'est pas pareil. Et nous sommes sauvés personnellement pour appartenir à un peuple qui est l'Église. Et le meilleur moyen, la meilleure école d'apprentissage, le lieu où nous pouvons le mieux apprendre, c'est l'Église, c'est la communauté, c'est la vie communautaire. C'est le lien fraternel, alors? Absolument. Les uns les autres. Et prier les uns pour les autres. Et un chrétien qui ne prie pas, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet? Mais qu'est-ce que cela veut-il dire, un chrétien qui ne prie pas? Parce que Mekki vient de rappeler qu'en tout lieu, en toutes circonstances, nous pouvons prier. Prier, encore une fois, c'est parler. Alors, c'est toujours mieux d'avoir une discipline, n'est-ce pas? Une discipline dans la prière, d'avoir son temps et son espace structuré, je dirais rythmé, ponctué par la prière.
Mais dès lors où l'on s'adresse à Dieu, que ce soit dans le secret du cœur, que ce soit au volant de sa voiture, que ce soit dans sa salle de bain, que ce soit au supermarché, parler à Dieu est prière, et la prière, c'est la communion avec Dieu. La prière, on dit que la prière transforme la personne. On dit, mais la Bible dit que c'est l'Esprit de Dieu qui transforme la prière. Et est-ce que vous avez des exemples donc, de personnes, des exemples assez concrets, qui ont, non pas qui ont donné, qui sont le résultat, je dirais, le fruit de la prière en cours? Alors, juste dire que dans toutes les expériences, il m'a été donné l'occasion de rencontrer, je ne vais pas parler de gens qui sont déjà dans la foi, mais des personnes qui sont en dehors de la foi chrétienne et qui simplement ont accepté que je prie pour leurs problèmes. Comme par exemple une dame qui disait, ça fait 4 ans que je fais une demande pour une maison plus grande ou un appartement plus grand. Alors ça, c'est sur le besoin matériel. Alors cette femme, depuis 4 ans, elle faisait des recherches, pas moyen, elle avait beaucoup d'enfants. Alors je dis, vous savez, je connais quelqu'un qui peut vous aider. Et elle m'a dit, c'est qui? Ben, je dis, c'est Jésus. Ah, vous croyez? Mais bien entendu, je crois. Et est-ce que vous êtes d'accord que je demande à Dieu ce soir au groupe de chrétiens que je vais rencontrer pour votre propre problème? Et elle m'a dit, oui. Le soir, on a prié et quelques jours après, son mari vient à la maison et dit, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes allé prier dans une cathédrale, puisqu'on a reçu la réponse pour une maison avec beaucoup de chambres. Bien. Voilà. Bien. Oui. Alors, on va terminer ce moment de méditation sur la prière. Chers frères et chères sœurs, nous vous exhortons, c'est le mot un peu technique dans la Bible, mais en d'autres termes, ne vous encourageant à aller vers Dieu et de prier Dieu au nom de Jésus-Christ, parce que les prières qui viennent du cœur, Dieu les répond à ces prières. Nous n'avons pas besoin d'aller dans un lieu particulier, nous n'avons pas besoin de prendre un temps, je dirais, limité. Dieu nous écoute. Il y a quelqu'un qui a dit que la ligne téléphonique vers Dieu est toujours libre, elle n'est jamais occupée. Donc, chers amis, je vous encourage à prier pour vos besoins personnels, pour les besoins des personnes qui sont autour de vous, et de prier pour nous, parce que nous avons besoin de vos prières, afin que le nom de Dieu soit glorifié. Merci, et nous prions que Dieu vous donne la paix. Merci à vous. Merci Kader. Alors nous prions les uns pour les autres. Bien sûr. Au revoir. Au revoir. Au revoir et à bientôt. À bientôt.